Vendredi 3 mars 2023, Jessica Thivenin a littéralement craqué sur les réseaux sociaux. En larmes, elle s'est confiée sur les problèmes de santé de son fils Melon qui s'est fait opérer quelques jours plus tôt. C'est bien connu, les candidates de télé-réalité sont friandes de chirurgie esthétique quitte à en faire des placements douteux à l'instar de Maeva Guénam qui avait créé la polémique après s'être vantée d'avoir un vagin comparable à une enfant de 12 ans. Parmi les personnalités du petit écran qui ont renoncé définitivement au naturel, Jessica Thivenin a de nouveau fait parler d'elle après une opération qui ne fait pas l'unanimité. C'est donc une fratée toute neuve, ou presque, qui a tenu à partager sa métamorphose auprès de sa communauté. Après les fesses, le menton, le nez ou encore les seins et les lèvres, la maman de Melon et Livan a une nouvelle CD à l'appel du bistouri. C'est entre les mains d'un ponte de la chirurgie esthétique que la compagne de Thibaut Garcia a fait gommer les rides d'expression qui la complexaient tant. Une opération somme toute complexe qui consistait à entailler une toute petite partie de son visage, au niveau des cheveux, faisant ainsi 8 points de suture. La Marseillaise s'est sans surprise attirée la foudre des internautes qui n'ont pas hésité à l'attaquer sur son physique. Le visage tuméfié et légèrement gonflé, cette dernière a rétorqué aussitôt pour faire taire les mauvaises langues à commencer par ses homologues du petit écran à l'instar de Nabila. Mauvais timing ou propos ciblés, la femme de Thomas Vergara a tenu à s'exprimer pour alerter son jeune public sur les ravages de la chirurgie esthétique. Elle les a ainsi incités à faire preuve de plus de naturel. Il faut rester un maximum naturel. Moi, il y a des choses que j'avais faites dans le passé et que j'ai retirées. Je me suis dit, maintenant, retour au naturel. Je pense que les jeunes, ils ont vraiment ça maintenant, a-t-elle déclaré sur son compte Instagram. Jessica Thivenin en larmes après être passée sur le billard, c'est au tour de Jessica Thivenin d'être au chevet de son fils Melon, en proie à de sérieux problèmes de santé. Le samedi 11 février 2023, son cœur de maman a une nouvelle été mis à rude épreuve alors que son petit garçon de 3 ans et demi, né avec une atrésie de l'œsophage, devait passer une nouvelle fois au bloc opératoire. Et pour cause, depuis sa naissance, ce dernier ne cesse de tousser. Dès son plus jeune âge, il a dû subir de multiples opérations sous anesthésie générale pour dilater son œsophage afin que les aliments ne s'y bloquent plus. Ce qui entraînait les fameuses quintes de toux, les reflux et donc, les pneumonies et autres soucis de santé au quotidien. Mais quelques semaines après l'intervention, son état de santé ne semble pas s'améliorer. En larmes, la jeune maman a donné de ses nouvelles, « J'en peux plus, mon fils fait que pousser, je suis à bout » a-t-elle expliqué effondrée avant de lancer un appel aux parents dans sa situation, « Je cherche juste du réconfort et à ne pas me sentir seule. » Espérons que Melon soit vite rétablie.